Bonsoir, bienvenue. Ce soir, nous recevons de nouveau Ricardo Trading. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Donc, comme on disait lors de notre interview il y a un ou deux mois de ça déjà, ton interview qui a d'ailleurs très très bien marché, hein, je ne sais pas si de ton côté tu as eu des bons retours. Ah ben c'est la nuit et le jour. On avait dit à l'époque donc on se reverrait pour faire un petit résumé de ce que tu avais proposé à l'époque où personne ne te connaissait en 2020 et puis voir un peu ce que tu sens pour l'année 2021 en fait. Voilà. Ouais, c'est une super bonne idée. On va essayer de je vais essayer de D'accord. présenter un petit peu l'évolution de mon petit indice des pépites là, D'accord. comme on a discuté. Et puis bah, ça permettra de certaine manière de souhaiter une bonne année à tout le monde et puis de bien profiter des marchés qui sont encore aujourd'hui très positifs, hein. D'accord. On s'était vu du temps le jour de Pfizer. Ouais. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Ça fait un mois et demi là, maintenant et ça n'arrête pas. Et pour toi, ça va continuer encore, hein, si je me dis bien. À l'époque, tu disais, je verrais pas pourquoi ça s'arrêterait. Alors 2 mois après, est-ce que tu verrais pourquoi ça s'arrêterait ou pas? Ouais, ça devient plus compliqué, mais il y a des temps saisonnières. Alors attention, hein, faut faire très attention à la notion de saisonnalité, mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont faire des allocations dans les fonds pour l'année 2021 et qui aujourd'hui vont aller acheter des valeurs parce qu'il faut les avoir en 2021. Donc, moi, j'ai déjà vu un marché comme ça euphorique il y a 4 ans avec l'élection de Trump. Et le marché avait continué jusqu'à mars-avril. Donc, j'ai aucun signal d'inversion de tendance et ça fait 2 mois, je le dis, hein, depuis qu'on s'est vu, à vrai dire. Et j'ai toujours pas de signal et voilà, je m'attends quand même une petite correction, une petite respiration peut-être quand même en début janvier, mais force est de voir que bah y a rien quoi, ça monte, ça monte. Ouais, parce que Personnellement, là ce moi je suis full matin. invest, hein, je suis à fond, hein, ça fait 2 mois je suis plein depuis que je t'ai vu, depuis la dernière fois. Moi, là, ce Et matin, j'ai bah l'impression que bah, on a enregistré, là, hein, donc ça passera probablement demain ou après-demain. Là, c'est le premier jour boursier de l'année 2021. Mais ce matin, c'est rentré sur le marché, mais comme des morts de faim, quoi. Enfin, sur les Et smalls, du moins. en laissant sur beaucoup de valeurs des gaps qui j'ai un peu de mal à croire que tout sera des gaps d'extraction ou des gaps de continuation. Je pense qu'il y a des corrections qui vont avoir lieu, mais le marché est tellement bullish que je vois pas comment on peut de manière je dirais fondamentale attendre une correction forte. Pour moi, alors je me rappelle très bien de t'avoir dit que pour moi j'attendais un marché haussier sur les smalls. J'ai été servi, hein. Puisque les smalls l'an dernier ont fait finalement, je crois 14% de mieux que le CAC 40. Donc j'attendais ça et il se trouve que le jour où je t'ai vu et où on a échangé, ça a été le jour du démarrage de tout ce marché bullish. Et franchement, pour l'instant, je vois pas de signe de correction. Toutes les résistances sautent, il n'y a rien qui tient, mais dans l'autre sens, dans le sens haussier. Donc voilà, profitons, prenons ce qui est donné par le marché, il saura nous le reprendre un jour, mais pour l'instant, prenons ce qu'il nous donne. D'accord. Ok, parfait pour cette petite introduction. On passe au vif du sujet. Alors, tu nous as préparé des super diapos, non? Oui, j'ai essayé de te faire un petit truc sympa pour présenter un peu quelque chose qui est peut-être un peu rébarbatif. Mais ouais, j'ai essayé de faire quelque chose de présentable pour présenter mes pépites. Alors, j'ai des lecteurs sur Facebook, des vieux lecteurs, qui attendent de pied ferme cette vidéo. Donc, je leur fais un petit bonjour, tous un petit bonjour. Puis, je salue aussi tous les nouveaux qui me suivent maintenant sur Twitter. Et je te remercie d'ailleurs de m'avoir permis d'être un peu plus visible. Et voilà, donc je vais présenter d'une manière ludique et je te remercie de me donner un peu d'audience sur ça, quoi, une manière vidéo, des pépites. Alors, c'est des listings, c'est des trucs comme ça. Bon, on va essayer de faire que ce soit un peu plus buvable et puis essayer de très rapidement de dire pourquoi elle et ce que j'en pense. Voilà, ça sera très court parce qu'il y en a quelques-unes. Et je vais surprendre. Je sais que je vais surprendre, mais ouais, c'est rigolo, voilà. Alors surtout, par contre, je fais un message d'alerte avant tout, et
Je sais que tu en mets un au début de chaque vidéo, mais j'en mets un. C'est une analyse fondamentale. Ce n'est pas des signaux d'achat. Ne vous jetez pas dessus. C'est pas, voilà, c'est des convictions plus ou moins long terme. Ça n'a rien. Certaines valeurs sont sur des tendances baissières vraiment fortes. Enfin bref, j'implore chacun d'être responsable de son trading et voilà, voilà, moi je crois dans ces valeurs. J'en ai quelques-unes en portefeuille, il y en a d'autres que j'ai pas du tout. Entre portif et une sélection de valeurs, il faut vraiment faire la distinction. Donc j'insiste lourdement, mais enfin, je pense que tu pourras toi-même corroborer, mais il faut vraiment rester très modéré. Il y a des valeurs qui sont très illiquides. Donc attention, on est dans du fondamental, on n'est pas dans du trading court terme où voilà, je suis pas un devin et je fais des erreurs. Voilà. D'accord, J'essaie ok. d'en faire le moins possible. Bah, merci pour cette petite précision. Donc on fera attention, hein. Oui, surtout, ouais, surtout, ouais. D'accord. Je vous surveille, hein, de toute façon, je vous surveille. Ok. Bah, c'est parti alors. Ouais, bon, écoute, j'ai fait un petit slide, je vais te mettre ça, je sais pas si tout le monde voit, tu me diras quand c'est OK. Que je puisse. C'est bon, si tu peux le mettre en plein air, en voilà, c'est bon. Voilà. Donc Voilà. voilà, j'ai mon petit logo que mes lecteurs Facebook connaissent bien. Ouais. Des pépites. Et donc je vais commencer d'abord pour faire les résultats un petit peu, regarder un petit peu ce qui se passe en 2020, puis après on partira rapidement sur ce que je change en 2021. D'accord. Donc pour moi aujourd'hui, c'est vraiment une année 2020, ça a été une année extraordinaire, puisque l'indice lui-même a fait, qu'on voit ici en bleu, là, a surperformé les CAC 40 de 70% sur l'année. Il y a quand même deux grandes périodes importantes dans cet indice. C'est la période du crack, où on constate que finalement, et ça c'est assez révélateur, et je demande aux nouveaux et aux novices de bien comprendre, c'est que quand il y a un crack, absolument tout s'effondre, et là c'est la révélation même de ce que je viens de te dire, c'est que tout baisse. Par contre, quand on a un rebond, les valeurs qui ont fondamentalement des qualités supérieures à la moyenne du marché, eh ben, elles par contre vont progresser. Et même sur un marché stable, elles vont continuer à progresser, et c'est ce qu'on voit dans la deuxième partie de l'année où on a une accélération continuelle de cet indice. On finit, bon, c'est anecdotique, 70% de mieux que le CAC 40, c'est super, mais bon, le CAC 40, c'est pas non plus le plus grand des indices qui soit, quoi. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je me permets de faire une comparative avec le Nasdaq 100, qui lui est quand même beaucoup plus parlant, et on a aussi une surperformance de 15% par rapport à lui, et même si on réintégrait le dollar, les écarts de change, on est même à 26% dessus. Donc voilà, moi je suis assez content de mon choix et je l'ai amélioré par rapport à notre 2019. Et voilà, donc ma méthode a l'air de prouver qu'elle marche bien et qu'elle fait des performances sur le long terme, puisqu'il y a peu de j'ai peu d'arbitrage sur ces valeurs. Hein. C'est vraiment du suivi fondamental. OK. Voilà. On va passer à la suite si tu veux bien. Hop, voilà. Donc les grosses satisfactions en termes de valeur dans ce que j'avais comme valeur, bah, tu vois à gauche là. Première, c'est Alphen. En fait, j'étais fan, mes vieux lecteurs le savaient depuis fin 2019. J'étais absolument fan de Alphen, et puis bon, elle a confirmé ce que je ressentais. Elle fait comme 400%. C'est pas une paille. Et puis il y a d'autres valeurs qui ont fait des super performances. Bon, Medion Technologies, tout le monde connaît. Ce sont des dossiers que tout le monde connaît hein, maintenant. Hein. C'était moins sûr il y a un an. HelloFresh qui va continuer visiblement. Enfin voilà, LDLC alors LDLC c'est spécifique parce que c'est ma plus grosse progression 2019 et elle m'a refait 236% cette année. J'étais acheteur à 6 euros, aujourd'hui elle est à 40 et je te le dis par avance et je suis toujours à l'achat sur D'accord. LDLC. Donc c'est un truc de fou. J'ai posé la question sur Facebook il y a peu de temps. J'ai dit est-ce que ce sera ma première pépite qui fera x10? Et ben on verra bien, on verra bien. D'accord. Et puis bah après Adyen, hein, j'en avais déjà parlé de la vidéo d'avant, Adyen 160%, et je vois rien de qui signale un retournement de tendance sur cette valeur. Et Quand c'est tu dis que tu vraiment vois rien, tu parles en technique ou en fondamental ou ouais, les deux? techniquement. Techniquement, d'accord. Techniquement, alors fondamentalement, je ne vois rien, c'est une chose, mais techniquement, je vois même pas de respiration, quoi. D'accord. C'est incroyable, c'est des plus hauts de plus en plus haut, les plus bas de plus en plus haut, continuellement, ça n'arrête pas. Je dirais que c'est toutes les valeurs que tu as devant tes yeux là, elles sont toutes dans le même cas.
toutes. Et c'est tard pour rentrer maintenant ou on peut encore. Fondamentalement, elles n'ont pas dit leur dernier mot. Alors, c'est difficile d'expliquer à des gens qu'elles sont chères, elles sont hautes, mais je ne vois pas de changement de tendance. Ça veut dire que je serai moi, en tout cas moi, à l'achat. Si j'ai une opportunité d'entrer sur certaines de ces valeurs, je serai à l'achat. Je prends le cas de McPhy, je suis encore dessus, je suis toujours à l'achat, je l'ai en portefeuille actuellement. Et moi, j'ai été acheteur à 4 euros, et aujourd'hui, elle est autour de 35-36, et je suis toujours dessus. Et je fais des allers-retours, et aujourd'hui, bah, je vois pas pourquoi on changerait d'opinion sur cette valeur, qui est vraiment, qui pour moi, alors, parenthèse à faire, en termes de trading et en termes de performance boursière, c'est la valeur de l'année me concernant. Je crois que j'ai fait un trade à 700%, enfin, pour moi, c'est de la folie, c'est une valeur que je suivais depuis 2 ans. Et donc, ça a payé enfin. Et voilà, mais bon, Wall Street Online, c'est pareil, hein. C'est une valeur qui était inconnue par les gens, que j'ai fait un peu découvrir aux Français. Et je vois pas. Alors, moi, je l'ai vendu en attendant une correction, mais la correction, elle vient pas. Je pensais qu'il allait y avoir une correction, puis voilà. Donc, je fais des erreurs de trading, hein, mais bon, voilà, c'est des valeurs qui, pour moi, resteront tant qu'il n'y a pas de. Alors, comme je dis souvent à mes élèves en coaching, je leur dis. Jusqu'à preuve du contraire. Et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui me dit l'inverse. Voilà, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, ça doit continuer. J'ai d'autres valeurs qui ont moins performé. Ça, c'est les meilleures. Hein, mais sur 25, j'en ai 7 qui ont fait plus de 100%. C'est quand même sympa. J'en ai qui ont fait des bonnes progressions, mais qui sont plus modestes. Et ben, il y en a d'autres qui sont rentrés en cours d'année. Alors évidemment, la toute première en haut qu'on voit, c'est Akasol. Akasol que j'ai rentré il y a peu de temps, qui est déjà à plus 88. Et puis voilà, je l'ai en portefeuille. Et, une valeur extraordinaire à mon avis et qui n'a pas dit son dernier mot. Il y en a quand même encore quelques Françaises qui progressent. Hein, tu vois, il y a WeConnect, moi j'avais parlé un petit peu. C'était cet été que je pensais que WeConnect allait progresser. Elle a été au rendez-vous. Et puis il y a des vieilles valeurs qu'on connaît tous, Atem. C'est vraiment quelque chose une valeur qui a vraiment beaucoup progressé et j'ai le sentiment qu'on n'a pas fini. Donc c'est comme ce que j'écris en bas, c'est mais toujours du potentiel. Est-ce qu'il sera confirmé? On verra bien. Voilà. Et puis bah, tu sais que je suis particulièrement présent sur le marché allemand, donc on voit les énergies Contor que j'arrête pas de mettre sur Twitter, qui fait des plus hauts continuels. Flatex, pareil, toujours des plus hauts continuels. Et puis bah, Cian, qui a été assez controversé, mais qui a entamé son retournement et qui, pour moi, est très éloigné de la valeur qu'elle devrait avoir. Voilà. Et puis, on a la petite valeur 8, là, dont je t'avais parlé, qui avait défrayé la chronique il y a 2 mois, mais qui est une valeur italienne que je trouve extraordinaire, mais voilà, le potentiel italien. Et je trouve très faible. Donc, du coup, bah, celle-là, je la sortirai dès aujourd'hui. Elle s'en va des pépites à regret parce que c'est une super boîte. Mais bon, voilà. Les tendances boursières parfois sont incompréhensibles des fois tu comprends pas. Mais bon, il faut accepter que des fois ça fasse pas ce qu'on espère. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis les dernières valeurs que j'ai, c'est des valeurs qui n'ont pas performé ou qui sont rentrées il y a peu de temps. Alors j'ai mis voilà, c'est pour bientôt, point d'interrogation, est-ce que ça va venir? Donc voilà, conviction sur Agri Power qui a aussi été très commenté sur les réseaux. Et puis j'ai quelques déceptions à l'intérieur de ces valeurs-là. Je vois, il y a Verimatrix, moi je suis clairement, je vends, je veux plus de cette valeur. Pour une simple et bonne raison, c'est que quand on se fait pirater par des hackers et qu'on vend de la sécurité Internet, c'est scandaleux. C'est qu'on n'est pas bon. Moi, je suis outré, donc je la sors. Alors, elle fait plus 13, c'est pour moi anecdotique. Je peux pas comprendre que on reste sur une valeur où voilà, ils savent même pas se protéger eux-mêmes de leur propre métier, quoi. C'est pas possible. Voilà, des valeurs que moi j'ai tradé beaucoup mieux que j'ai mis dans les pépites. Hein. Ça arrive aussi, ça. Bio-UV, moi j'avais pris le point bas quasiment. Et puis je l'ai rentré assez tard dans les pépites. Ça reste une pépite, c'est une super valeur. Maintenant, j'ai trouvé mieux ailleurs. Et je vais te la présenter tout à l'heure. Donc je vais la sortir, mais c'est pas pour ça que c'est une mauvaise valeur. Hein. Faut pas entendre ça comme un signal négatif. Elle est super, mais
j'ai trouvé une valeur un peu plus loin, en cherchant un peu plus loin, qui fait le même métier, enfin qui est dans les mêmes choses. Et moi, je pense qu'elle est, elle est encore plus forte. Donc voilà, des fois, on arbitre dans ce sens-là. On cherche toujours encore mieux. Une autre déception pour moi, c'est Equinops, qui là, aujourd'hui, je crois qu'elle accélère un petit peu, mais je la sors quand même, la 5G, etc. Mais en France, il y a des gens qui freinent. Voilà, donc c'est compliqué pour ces valeurs-là, je pense qu'il y a de ça, qui fait qu'elle n'accélère pas. Mais elle a quasiment rien fait de l'année 2020, et c'est quand même décevant. Pourtant, voilà. 2019, moi, je l'avais bien pris tout le mois de décembre. Elle était bien partie en décembre, hein. 2019. Bon, je reste positif sur la valeur, hein, sur l'entreprise, l'entreprise elle-même. Je suis très très positif. Hein. Ça peut m'arriver de, et je la retraderai peut-être. Hein. Ça me dérangera pas de le faire. C'est comme BioUV, hein, ça reste des super valeurs. Maintenant, boursièrement, est-ce que tout est fait? Est-ce que voilà? Moi, bon, Equinops, je pense pas, mais j'ai l'impression d'une lenteur dans cette valeur qui me gêne un peu. Après, il y a des gens qui peuvent faire ça en intraday, etc. Mais bon, après, il y a des choix à faire et trader, c'est renoncer, hein, donc on est obligé de faire des choix. Donc voilà, je dis par avance, elle va sortir. Et puis, il y a une valeur, là, on la voit, les deux négatives de l'année, Clara Nova Farming. Bon, Farming est quand même passé par la case moins 45%. C'est totalement injuste par rapport à la qualité de l'entreprise, de ce qu'elle vend. D'ailleurs, j'ai pris le point bas, j'ai un trade en cours qui est fort gagnant, mais sur l'indice des pépites, elle n'a pas performé, mais je la conserve. Je la conserve parce que c'est une valeur qui est vraiment extraordinaire et qui a un potentiel de fou encore aujourd'hui, malgré des progressions des années d'avant. Donc, petite année 2020 pour Farming, et puis Clara Nova qui ça fait 3 ans qui ne fait plus rien. Décevant, je la prends plus en ce moment parce que je vois pas de signal qui me plaise vraiment. Mais Clara Nova, apparemment, ce que j'ai pu comprendre, c'est la gestion qui est pas bonne. C'est les gens qui ont pas confiance aux dirigeants, dans les dirigeants. Je crois que c'est plutôt Alors, ça. Moi, j'ai le sentiment, c'est un sentiment, c'est pas une vérité. J'ai un sentiment que Pierre Cesarini a pas plu du tout aux gens quand il s'est versé des salaires considérés comme importants. Les fonds sont sortis, je crois qu'il n'y a pas de fonds présents sur Clara Nova, donc il a détruit un petit peu son actionnariat structurel, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a un souci d'actionnariat sur cette valeur. Maintenant, imagine, et c'est pour ça que je la laisse dans les pépites, imagine que des gens décident que c'est enfin hein, que cette valeur de croissance qui est une croissance quand même qui n'a jamais été remise en question, qui est bénéficiaire, hein, on va reprendre les bases de la base, hein, croissance de chiffres, des marchés qui se développent, une augmentation de la marge qui amène à du bénéfice, donc on a les éléments, je dirais, je considère moi comme essentiels à choisir une valeur, et une valorisation qui maintenant devient, mais vraiment, c'est même plus la cave, hein. On est dans le sous-sol de la cave, hein. Ça devient très 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 faible, avec une croissance à venir qui n'est pas reniée. Donc Clara Nova, je mets un petit billet sur l'idée que c'est peut-être l'année, ça va peut-être enfin accélérer. Faut pas oublier non plus qu'on vient d'une valeur qui avait fait x10 il y a 4-5 ans, quoi. Donc voilà, c'est... Je reste positif sur le dossier, déçu. Mais comme je ne suis pas en position dessus, elle reste dans l'indice. Puis il faut accepter qu'il y a parfois des timings un petit peu moins bons. Voilà, elle fait partie des mauvais timings, mais fondamentalement, ça reste une super valeur. Ok. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le bilan de ce que l'on a fait avec les valeurs qui sont toujours en place. Mais pendant l'année, j'avais eu quelques mouvements. J'ai quand même eu le plaisir de vivre 3 OPA sur les pépites. Voilà, Mint, évidemment. J'ai laissé à 107% de progression. Il y avait Microwave Vision aussi, qui est dans la 5G, qui s'est fait racheter, et puis NVA qui est dans l'environnement. Et voilà, c'était 3 valeurs que j'avais. Puis voilà. OPA faisant, tu les sors, puis tu trouves autre chose. Une autre chose que j'avais en début d'année, avant le Covid, c'était Eurobio Scientifique. J'avais une conviction depuis début 2019. Alors, je l'ai sorti des pépites à plus 67, et puis finalement il y a eu une deuxième vague. Donc, elle finit à plus 261, donc ceux qui étaient dedans, ceux qui sont restés, félicitations à vous, ça fait une belle performance, mais voilà, moi j'ai pas pris
tout ce qu'elle avait pu, elle aurait pu faire, mais j'y croyais plus. Et bon, j'ai eu tort. Voilà, c'est une belle plus-value. Il ne faut jamais renier les plus-values qu'on a eues, c'est parfait. Et puis le dernier mouvement que j'ai trouvé assez rigolo dans mon année, c'est mes changements sur les valeurs, les fameuses valeurs de, qui, au parc, des parcs éoliens et de, qui vendent de l'énergie. Donc j'étais sur Voltalia, je la change, je mets Neoen, et puis finalement je trouve cette Allemande extraordinaire qui est Energy Counter. Et finalement je me rends compte qu'en faisant le bilan, l'une je la vends à plus 23, l'autre je la vends à plus 27, et la suivante je la vends, et je suis à plus 41, et je suis toujours en passe pour Energy Counter. Et si tu n'avais pas vendu... Finalement on a un x2 là. Et si tu n'avais pas vendu Voltalia, elle aurait fait combien Je crois qu'elle a fait plus 80. D'accord. Plus 80, là où, et là, j'ai pas vu Energy Counter tout de suite. Energy Counter, je crois, a fait plus 150 sur l'année. Pour donc Neoen et Voltalia, on fait plus 80. J'avais fait un tweet ou un petit article sur Facebook là-dessus. Et ça s'appelle la force relative. Et relativement, Energy Counter est beaucoup plus rapide et sera beaucoup plus rapide, selon moi, hein, selon moi évidemment. Dans les mois qui viennent, parce que fondamentalement, on a des sociétés qui sont fondamentalement totalement différentes en termes de structure de coûts. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais je t'expliquais que la structure de coûts était super importante. Et Energy Counter, je ne l'ai pas pris tout de suite parce que j'étais tellement étonné de la différence de structure de coûts entre elle et Neoen et Voltalia que je n'y croyais pas. En vrai, je me suis plié à ce que je voyais sur le graphe et je suis rentré. Personnellement, je suis rentré et je l'ai mise. Et j'ai remplacé Neoen par Energy Counter et là encore aujourd'hui, je crois qu'elle est en progression. Enfin, elle fait plus haut historique sur plus haut historique tous les jours quasiment. Donc, d'accord. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment ça t'arrive. Enfin, quand tu décrètes que tu auras peu de valeur dans un indice, il faut vraiment être très sélectif et tu peux remplacer une super valeur par une extraordinaire valeur. Et c'est exactement ce qui se passe. Voltalia, Neoen et Energy Counter, elles sont toutes tradables, elles sont toutes en progression, il n'y a pas de souci. Mais Energy Counter, je trouve qu'elle va encore plus vite. D'accord, ok. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce qui était sorti, ma foi, c'est plutôt des satisfactions. Puis on va finir par les gadins, hein. J'en ai eu quelques. Heureusement, j'en ai eu quelques-uns, j'ai envie de dire, c'est peut-être la chose la plus importante à regarder, c'est celle-ci. C'est qu'est-ce qui est sorti avec perte et fracas. Bon, on va mettre un bémol, hein. C'est le crack de mars qui m'a fait faire des arbitrages. C'est plus un arbitrage, je dirais, qui a été fait dans l'idée de quel est le monde d'aujourd'hui maintenant qu'il y a le Covid. Et j'ai sorti des valeurs qui me paraissaient avoir du mal à rebondir. Big Ben Interactive, SESI Magotag et Katana à regret sont sortis. EK, c'était aussi à regret. Et Ruby, par contre, le monde du pétrole... tout est déchigné entre guillemets sur le monde du pétrole. On oublie que Ruby ne dépend pas vraiment du pétrole, mais bon, il sort parce qu'il distribue du pétrole. EKA va sortir de la cote, là, j'ai appris ça il y a très peu de temps. Donc là, c'est pareil, c'est fin de l'histoire. Donc j'ai pas de regrets sur ça. Par contre, je peux avoir des regrets sur les autres. Hein, où elles ont bien rebondi. Big Ben, je crois, a fait son plus haut historique il y a peu de temps. SES, pareil. Et Katana a fortement rebondi. Par contre, là, j'ai pris le point bas sur Katana il y a peu de temps. Bah, je t'en avais parlé dans la dernière vidéo, d'ailleurs. Et je suis toujours en place. Voilà, c'est un mois et demi que je suis sur Katana, je dois être à plus de 50 sur le dossier. Voilà, donc les gadins, bah, voilà, ça arrive et il y en aura toujours. Hein. C'est tout à fait normal. Tout à fait, ouais. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le bilan 2020. De 2020. Et puis on part sur 2021 avec différentes options que je prends, et la première c'est d'évacuer ou de sortir des valeurs qui m'ont soit insatisfait, soit que je trouve trop lente. Donc là, sans surprise, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça reste des bons dossiers, hein. Il y a juste Verimatrix où je suis pas content d'avoir entendu ce qui s'est passé sur Verimatrix. Je dirais que j'ai de la chance de sortir à plus 13, hein. J'aurais pu sortir à moins 50 avec une histoire comme ça. Et sinon, bah, StreamWise, je le sors parce que j'ai vu des choses ailleurs qui m'obligent à arbitrer. StreamWise, ils font quoi, eux? StreamWise, c'est de la téléphonie, c'est des systèmes téléphoniques qui vendent de la gestion, on va dire, de la gestion de téléphonie, de la gestion de centrales d'appel, des choses comme ça.
Et donc c'est plutôt des logiciels, des choses comme ça. Et c'est des gens, c'est vraiment une super valeur, hein. Moi je suis en place dessus, je suis personnellement en position et je crois que ce matin elle faisait encore un plus haut historique. D'accord. Mais je la sors parce que les perspectives à venir sont. Elles étaient extraordinaires et maintenant elles sont très bonnes. Donc D'accord. Ouais. tu vois ce que je veux dire. Très bonne, et il se trouve que j'ai trouvé tout ce que tu vas voir dans le slide suivant. J'ai trouvé des valeurs qui ont des perspectives extraordinaires. Donc, D'accord. j'arrive à un niveau où même le très bon me suffit plus. D'accord. Donc voilà, faut être relatif sur le fait de sortir une valeur de mon petit indice. Ça reste des valeurs qui restent en surveillance pour moi, même parfois en portefeuille. Donc, faut pas tirer de conclusion pour ça. Bio-UV, bon, j'ai expliqué, j'ai trouvé mieux ailleurs aussi. Et puis là, je suis. Alors, je sais pas si tu sais, mais j'ai constaté que les gens qui me suivaient sur Facebook avaient changé. Et j'ai énormément de Belges qui viennent lire ma page depuis l'interview qu'on a fait il y a 2 mois. Et j'ai le regret de leur annoncer que la seule valeur belge que j'avais, je la sors. C'est Shurgard. Et j'étais déçu, pourtant ça m'a l'air d'être une super valeur. C'est des gens qui font tu sais, du home box, qui font du stockage pour les particuliers. Et bon, voilà, la valeur n'a pas de dynamique. Je pensais qu'elle allait en avoir une, et puis ça n'a pas été le cas. Donc je la sors à regret, mais donc voilà, je quitte la Belgique et l'Italie totalement. J'aurais pas de valeur italienne ni belge dans le début de 2021. D'accord. Et puis maintenant, on va peut-être passer à ce qui reste. Voilà. Il reste ça, ils sont connus. Je ne veux pas traîner dessus parce que je dirais que tout le monde les connaît ou les a connus ou trouvera dans mon Facebook un commentaire ou une analyse dessus. Donc voilà, toutes les valeurs qui montaient fort, je les garde parce que je vois pas Même où elles. Clara Nova, je vois que tu gardes, hein, ouais. Oui, donc il y avait Pharming et Clara Nova qui étaient négatives sur 2020, mais je les garde sur 2021. Je pense qu'il n'y a aucune justification à ce qu'elles restent basses comme ça. Bah, tout est relatif, hein. La notion de cherté est toujours très relative. D'accord. Voilà, donc oui, je garde Clara Nova. Moi, je mettrais bien une pièce sur un beau Clara Nova cette année. Voilà. Mais faut-il que les loups, que les ressentis soient un peu soient meilleurs. Et D'accord. puis bah, on va passer alors je sais qu'il y en a plein qui attendent de pied ferme ce moment-là, mais ça va venir. Les entrées. Donc je commence alors j'ai écrit un petit papier sur lequel j'ai noté vite fait qui sont et pourquoi ça vient. Alors donc on commence par les Françaises. Où j'ai découvert il y a peu de temps un dossier qui s'appelle Munich, qui fait de la gestion de données au sein des véhicules. Donc je pense que dans la notion de véhicules autonomes, on a des gens qui sont très intéressants. Ça annonce quand même une multiplication par 4 du chiffre à horizon 2022, c'est-à-dire dans 12 mois. C'est Ah oui, impressionnant. ouais. Ouais, x4 à 2022, donc avec une valorisation qui est assez modeste. Elle vient d'être introduite en bourse. Je suis pas très fan des introductions jeunes, mais là je dois avouer que le dossier me plaît. Je suis en position dessus, comme ça l'AMF, je leur fais un petit coucou. Je suis en position dessus, je suis voilà et je crois qu'aujourd'hui elle a encore progressé, donc voilà. Donc super dossier intéressant dans un domaine qui je pense a un bel avenir. D'accord. Pour remplacer Verimatrix, ben je reprends Walix, qui enfin annonce à horizon 2022 qu'elle va faire des bénéfices. D'accord. C'était ce qui me gênait dans le dossier jusqu'à maintenant. Pas d'horizon de bénéfices, des marges dégueulasses, on peut dire ce qu'il est. Et là, on avait une progression de chiffres qui était présente, hein, on avait des clients qui rentraient, mais on n'avait pas de gains économiques. J'étais inquiet. Et du coup, les inquiétudes se lèvent. Le marché est en train d'acheter. C'est en train de partir à la hausse là. Je suis pas dedans personnellement, mais je pense que Walix, il y aura des points d'entrée, il y aura moyen de faire quelque chose cette année sur Walix. Surtout que la trésorerie est très positive, donc il y a aucun. Je pense pas qu'il y ait de soucis d'augmentation de capital à venir. Donc voilà, Walix revient. J'ai beaucoup plus de conviction maintenant. Voilà. D'accord. Le troisième, Carrey. Alors Carrey, c'est un pari.
mais c'est aussi graphiquement, c'est quand même une valeur qui vient de faire ça avec Greenlight Breakout, cher à Nicolas Chéron, mais cher aussi à moi. C'est vraiment un signal graphique important. Qu'est-ce que la Greenlight Breakout? C'est simplement une accélération au-dessus du prix d'introduction. Et donc aujourd'hui, une introduction qui est cassée aussi violemment que l'a fait Karl Rae, c'est quelque chose qui est un indicateur qui me permet de dire aujourd'hui Karl Rae est parti pour une tendance haussière. Je suis à l'achat, je suis dedans, j'ai acheté dès la cassure et je ne serais pas étonné, alors attention, hein, je dis ça avec beaucoup de modération, je ne serais pas étonné que Karl Rae soit le McPhee de l'année 2021. Ah ouais. Si les perspectives et les premiers clients sont satisfaits du produit qui maintenant est au point, normalement, hein, évidemment, je pense que Karl Rae a un avenir extraordinaire. J'ai deux éléments qui me font dire que c'est vraiment une valeur hors du commun, c'est que pendant le semi-conducteur, donc je ne te fais pas de dessin sur les semi-conducteurs, mais qui sont spécifiques pour notamment répondre à tout ce qui est notion de voiture autonome, je pense à la 5G, etc. Voilà. J'ai essayé de comprendre, parce qu'on n'est pas des techniciens, mais il y a vraiment une technologie à part, très intéressante. Et il y a un détail qui me fait dire que quand même, Karl Rae, ça doit être intéressant, c'est qu'ils sont à Grenoble et ils sont voisins de Soitec. Et Grenoble, il n'y a il que va des l'avoir bons. sur Soitec. Et à Grenoble, il n'y a que Oui. des bons en plus, hein. Oui, et je pense que Grenoble, il y a clairement il y a un microcosme extraordinaire dans ce métier-là. Et c'est pas un hasard que Karl Rae soit là-bas. Bah à Grenoble, Je. t'as la nanotechnologie, t'as une ville de nanotechnologie, t'as l'Institut Léo Langevin, t'as l'accélérateur de particules européen. Ouais, c'est à la Et pointe, hein. STMI, c'est Grenoble aussi, hein. Ouais. Et aujourd'hui, quand on fait de l'analyse fondamentale, ça peut faire rire certains, mais ce sont des détails qui font dire, tiens, c'est bizarre. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la source d'éventuels ingénieurs à recruter, elle est là-bas. Hein. Donc voilà, Karl Rae, je suis en position, je crois que je suis déjà à plus 30 dessus, elle a encore accéléré aujourd'hui, je crois qu'elle a plus 10 aujourd'hui, donc enfin voilà, quoi. On pourra être déçu du dossier, mais pour moi, il y a probabilité que ça aille fort, et c'est un dossier en lancement, donc attention, mais Greenlight Breakout, violente, avec volume, intéressant. Voilà, donc là, le D'accord. signal graphique pour moi qui a été validé. En mensuel, hein, en plus, hein, mensuel. Donc OK. là, sur du long terme, en plus, je suis positif. Un dossier qui est un peu moins connu, je dirais, voilà, que je surveille depuis longtemps, que je ne comprenais pas pourquoi il baissait. Et en fin d'année, il s'est retourné, Cogelec, qui fait de la sécurité dans l'habitat, c'est-à-dire qui fait des interphones, des choses comme ça, mais qui est un peu plus technologique que la moyenne. Donc on est sur deux thématiques, on est sur l'habitat. J'ai des échos, hein, moi je suis un ancien du bâtiment, j'ai des échos très très positifs sur les constructions, la construction aujourd'hui en France et visiblement un peu partout. Et je pense que on sous-estime le rebond du domaine de la construction un peu partout. Et donc après, bah, quand tu trouves une valeur comme ça, tu te dis, tiens, est-ce que ça peut matcher? Et je me dis que ça peut matcher. Et elle a un résultat en forte évolution dans les années qui viennent. Elle prévoit 80% d'augmentation de chiffres entre 2020 et 2022. Et pour moi, elle a une valorisation qui est très faible. Donc, domaine technologique, sur un secteur qui me semble porteur. Ce serait peut-être une belle surprise, Cogelec. D'accord. Voilà, dernière valeur française. Alors, tu m'as dit comment elle s'appelait Tout en crazy. traduction? Too Crazy. Alors, moi, j'appelais 2 Ah CRSI, si, j'ai ouais. du mal. Too Crazy. Ok. Ouais. Eh bien, écoute, oui, ils sont crazy. Eux, c'est un truc de fou. J'ai vérifié pourquoi la valeur avait baissé tant. Je confirme ce que disent beaucoup de traders. Et là, je ne suis que suiveur de ce que disent beaucoup de gens. Par contre, je suis peut-être dans le bon timing. Ils annoncent un triplement du chiffre à 2023 par rapport à aujourd'hui. La valorisation est à la cave. Elle ne vaut rien. C'est incroyable. Et ils fabriquent, écoute bien, ils fabriquent pas des chaussettes, ils fabriquent des serveurs de très haute performance. Donc, une valeur technologique de croissance qui a une valorisation aussi faible.
avec une progression de chiffre à venir qui est ce qu'elle est, et qui gagne de l'argent, enfin, je ne me pose même pas de questions. J'y vais. Voilà, D'accord. donc moi je suis en place, hein, je suis déjà en positif, j'ai déjà même sécurisé mes trades, mais là je vois. Là, je ne sais pas laquelle entre Karl Rae et Too Crazy, laquelle va être la plus crazy. Je ne sais pas. Voilà pour les françaises. OK. Alors j'en ai oublié plein, hein. Il y en a plein, je sais, on va me dire, ouais, mais Navia ne gagne pas d'argent, donc je suis quand même fondamentalement, il y a un problème d'argent. Mais évidemment que Navia, je l'adore, enfin il y en a d'autres, hein. Il y en a plein d'autres qui sont extraordinaires. The Blockchain Group aussi, enfin voilà. Mais il faut faire des choix. J'ai fait le choix de la renta. D'accord. OK. Donc les Allemandes, je vais surprendre peut-être des dossiers pas du tout connus. Bon, je suis habitué à surprendre les gens. Solutions, alors Solutions, c'est pas connu du tout, mais ils annoncent un x6 en chiffres à l'horizon 2022. Je répète, x6 à horizon 2022. C'est impressionnant. Et c'est des gens qui font de la surveillance d'ouvrages d'art. Ils ont des logiciels qui surveillent des ouvrages d'art, qui vont surveiller des chantiers, en gros. Voilà. Donc D'accord. c'est tout bête. C'est une toute petite boîte allemande et ils ont l'air d'être très performants dans le dossier. Et ils font des surveillances 3D. Enfin, voilà, lisez, allez voir. Voilà. Attention, c'est très illiquide. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Attention, ne rentrez pas comme des bourrins là-dessus. Voilà, aujourd'hui, je crois qu'elle a oscillé entre plus 5 et plus 10. Carnet d'ordres est vide. Voilà, c'est avec beaucoup de modération sur des dossiers comme ça. Voilà. Un dossier, le deuxième, là, alors attention, là, je ne sais pas trop comment dire ça, mais là, par contre, quand j'ai découvert cette valeur, je suis resté sur les fesses. Minaric. Alors, Minaric, c'est une valeur qui fait de la communication laser entre les satellites et des véhicules mobiles. Donc, je vous laisse imaginer ce que peut être comme l'exploitation de ce genre de technologie, où un satellite enverrait des informations à un véhicule militaire, voire à des véhicules autonomes. Donc, après, je ne suis pas un technicien, mais j'ai compris rapidement qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Ils annoncent, dans 12 mois, c'est-à-dire en 2022, hein, dans 12 mois, ils annoncent x9 en chiffre d'affaires. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils vont faire. C'est extraordinaire. Alors, elle est chère sur les ratios habituels qu'on lit, mais si on creuse bien, ben pour moi, il y a un potentiel encore très important. Alors attention, il n'y a pas de signal graphique. Elle a déjà fait une progression. Elle est en train de corriger. Ce n'est pas pour ça que demain matin, il faut se jeter dessus comme des morts de faim. Elle peut corriger encore un peu. Mais fondamentalement, je suis sidéré par cette valeur. Deux autres valeurs pour finir en Allemagne. Tout ça, c'est en PEA en plus. Hein, donc, tout est admissible PEA. Singulus. Singulus, alors je me suis tiraillé, je la rentre, je la rentre pas, je la rentre, je la rentre pas. Les chiffres sont incompréhensibles par rapport à son graphique. Et ça fait 1 an et demi que je la suis. Et je comprends pas pourquoi. Mais là, j'ai vu un petit signal graphique qui est pas confirmé. Il faudra attendre une confirmation. C'est des gens qui font de l'ingénierie dans de la technologie industrielle de pointe. Alors j'ai du mal à comprendre exactement ce qu'ils font, mais j'ai bien vu qu'ils étaient sur de la technologie de pointe. Et la valorisation, mais elle est, mais c'est incroyablement faible. C'est un dossier qui, pour moi, devrait faire une recovery. Un recovery, pour les néophytes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était baissier. On a stabilisé un cours et on va repartir vers le haut avec un nouveau projet. Et c'est exactement ce qui se passe sur Singulus. Et maintenant, je le répète, c'est une valeur qui est baissière sur toutes les unités de temps et qui a juste un signal graphique depuis quelques jours avec 2-3 contrats signés. Donc ça demande à être confirmé, mais ça gagne. Pour moi, ça n'a rien à faire là. Et donc c'est un pari. Dans mes pépites, je fais des paris, c'en est un. D'accord. Un pari, il y a une part de risque, et il faut savoir invalider un pari. Dans le temps, en tout cas graphiquement, on peut invalider, ou une news qui invalide le sentiment qu'on a. Et ça, il faut savoir le faire. Je répète, ça reste dangereux. Une dernière valeur qui, pour moi,
J'ai attendu, j'attends toujours, je l'ai pas, le signal graphique, mais ça fait 1 an et demi, 2 ans même que je suis Manz et je suis amoureux de ce qu'ils font, mais j'attends qu'ils donnent le signal, que le marché me dise c'est bon, on y va. Et on n'en est pas loin, à mon avis. Ils fournissent des pièces pour faire des batteries, des panneaux photovoltaïques. En gros, ils sont fournisseurs électriques, mais c'est très spécifique, une sorte de semi-conducteur. Enfin bref, allez voir ce qu'ils font. Ils annoncent un chiffre d'affaires qui va doubler, pareil, à horizon 2022. Et la recovery est en cours et on est en train de travailler graphiquement. C'est en train de travailler, c'est pas loin de casser. Donc moi, je vais certainement passer à l'achat. Je sais pas quand, je sais pas où, mais cette valeur-là, j'y crois depuis un bon bout de temps. Voilà. Et donc là, ça a l'air le marché a l'air de tranquillement vouloir être acheteur de ce dossier-là. Voilà, Ok. donc à surveiller. Et donc tout ça, je disais, donc ça c'est PE-able. Et maintenant, on va aller si tu veux bien, on va aller dans des pays un peu plus exotiques. Ouais. J'avais promis d'aller dans le nord. Ouais. Bon, vous n'allez pas être déçus. Voilà, nous voilà dans le nord, Ouais. ben, C'est l'Espagne. le nord de l'Espagne. Ouais, c'est ça. Alors, j'avais promis dans le nord, mais bon, j'ai regardé toute l'Europe, à vrai dire. Et j'ai vu des trucs super un peu partout, mais j'ai pas pu m'empêcher. Alors, ça fait plaisir, j'imagine, toi, les Espagnols. Ouais, je suis client Mais en plus chez eux, alors. t'es client chez eux, Ouais. alors, super. Et aujourd'hui, je vais résumer en un mot. Hola luz, donc bonjour lumière, hein. C'est ça la Ouais. traduction Ouais, espagnole? bonjour la lumière, Bonjour, ouais, bonjour c'est lumière. Mint, quoi, en fait, hein. C'est le Mint Eh ben c'est espagnol. mint, Ouais, voilà, c'est c'est ça, mint, ouais. c'est mint. Mais sauf que c'est mint valorisé 3 fois moins cher et qui gagne de l'argent et qui a une perspective de développement plutôt sympathique. Moi, je vous invite à aller voir ce dossier-là. Je ne suis pas en place dessus. Il n'y a pas de signal. C'est une IPO jeune. Elle n'est pas très vieille. Elle date de cette année. Ils viennent de signer un contrat là, sur les Baléares avec 40 000 nouveaux clients. Ils viennent de trouver son chiffre intéressante. C'est des gens qui distribuent de l'électricité verte et qui ont une proposition commerciale de mettre un panneau photovoltaïque en plus et puis de le déduire de la facture, etc. Enfin, bon, bref. Je ne comprends pas pourquoi ce dossier est aussi bas. Donc je la mets, c'est un peu un pari. J'ai aucun signal graphique. Mais à ce prix-là, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'elle va baisser? Et la réponse était, mais c'est pas possible qu'elle baisse. Donc voilà, elle va peut-être rien faire. Mais j'avais le choix hein, sur l'Espagne, j'avais des choix sur des graines d'énergie, des Solaria, etc., qui sont beaucoup plus faciles à trader parce qu'elles sont déjà en tendance haussière. Tant pis. C'est pas les moins chers, hein, quand même, sur le marché, Oui, c'est ce que tu me disais, oui, hein. tout à fait. Oui. Bah écoute, on verra bien. Ouais. On verra bien si je me trompe, voilà. Mais si vous comparez Holaluz et Mint, Holaluz n'a rien à faire à ce prix-là. Voilà, après, c'est mon avis. Donc voilà, j'ai que cette valeur-là en Espagne. L'Espagne, ça s'arrête vraiment. Par contre, c'est assez impressionnant sur les énergies renouvelables. Mais par contre, là, par contre, ils sont très très présents avec beaucoup de sociétés et qui sont vraiment en développement fort et avec des valorisations super intéressantes. Donc, à bon entendeur, ceux qui ne savaient pas, l'Espagne, il y a de belles choses à faire. Voilà, donc ça s'arrêtera là sur l'Espagne. Mais alors, par contre, cette fois-ci, c'est bon, on va au nord. Je t'avais dit que j'allais sortir bio-UV, c'est parce que j'ai trouvé Vov. Vov qui fait aussi qui travaille aussi sur le sur le sur les sur le comment dire sur le traitement des eaux. Et lire ce qu'ils font, c'est des gens qui me paraissent très intéressants et qui, en termes de, je dirais, fondamentalement, sont bien plus intéressants que bio-UV. Donc, à ceux qui sont intéressés par la Scandinavie et la Norvège, ben, n'hésitez pas. Alors, par contre, là, on est très clair, on sort de la zone euro, on n'est plus en euro, il y a un risque de change. Bon, je le dis à tous, quand vous rentrez sur la Norvège, vous êtes en train d'acheter de la couronne norvégienne, donc il faut faire attention au cours de la couronne norvégienne. Voilà. Et donc, le dernier pays sur lequel, et on va terminer là-dessus. Eh bien, c'est la Suède, où là, par contre, je ne savais plus où mettre la tête. Il y en a partout. C'est choisir, c'est renoncer. Et là, franchement, en Suède,
J'ai été obligé de renoncer à plein de choses. Alors, j'ai choisi cinq dossiers qui me paraissent assez hallucinants. Le premier, c'est Eno Health. C'est un dossier sur les logiciels médicaux d'organisation de gestion médicale, qui annonce un petit x3,5 en chiffre d'affaires à l'horizon de l'année prochaine. Waouh, impressionnant. Et avec une valorisation par rapport à ses petits camarades dans les logiciels qui me paraît très faible. Moi, j'invite les gens à comparer à des PharmaGest ou des choses comme ça. Et franchement, waouh, il y a un potentiel sur cette valeur qui me paraît très intéressant. Un autre dossier, là, on retourne dans l'éolien, c'est Ariz, qui pour moi a la double casquette producteur d'énergie éolienne et distributeur, et qui annonce tout simplement une multiplication par 5 de son chiffre d'affaires à l'année prochaine. Fois 5 l'année prochaine. Ouais, voilà. Valorisation faible, je comprends pas. Donc je m'intéresse et je la trouve extraordinaire. Vous avez les codes à droite, hein, je vous ai mis les codes, donc normalement vous les trouvez facilement. Ce qui est décevant là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de PEA là-dessus, mais bon, c'est comme ça. Et Ariz, franchement, x5, hein, je répète, hein, x5 l'année prochaine. Oh. On va terminer sur les trois dernières avec Ovzon. Alors ça, c'est une valeur qui vient de rentrer sur le marché suédois et qui fait aussi, c'est un petit peu différent, mais elle fait aussi de la communication satellitaire à large bande. Alors j'ai creusé un peu, donc en gros ça peut envoyer de la quantité d'informations assez rapidement, et donc là aussi on est sur la technologie de communication avec l'espace. Donc au lieu d'acheter certaines valeurs spatiales type Airbus, regardez donc ces trucs là, c'est intéressant. Eux aussi ils font comme Ariz, hein, x5 en chiffre d'affaires par rapport à l'année prochaine, donc c'est assez impressionnant. Et c'est une valeur qui est quand même cotée assez cher, qui vient de rentrer, mais on est proche, attention, on est proche, donc ça veut dire que c'est pas fait, mais on est proche aussi du Green Light Breakout sur cette valeur. On est tout proche de casser son prix d'introduction. Voilà, donc ça c'est un dossier, s'il casse ça, je serais très 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 intéressé par ce dossier-là. L'avant-dernière, mais alors là par contre j'invite tout le monde à regarder cette valeur là moi j'ai été sidéré de voir que MIPS, si vous voulez jouer comme Axel Group le déplacement à vélo, allez voir cette valeur là parce que cette valeur là elle recouvre une quantité de choses incroyables. C'est un fabricant de casques de vélo. Alors moi, j'ai fait 10 ans de vélo en compète, je connais parfaitement leurs produits, je connais, je suis un passionné de cyclisme, hein, Tour de France, tout ça, à fond. Et sachez que tous les coureurs du Tour, ils ont quasiment tous des casques MIPS sur la tête. Et tous les coureurs du dimanche, ils ont ça. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça, c'est pas cette histoire-là. L'histoire, c'est que nous sommes dans le déplacement, les nouvelles formes de déplacement, puisqu'on va mettre un casque sur des rollers, sur un coureur en roller, sur quelqu'un qui a une trottinette. Donc tous ces marchés où on cherche à acheter la valeur qui fait des trottinettes ou des vélos, ben là on a tout. On a tout ensemble puisqu'il faut toujours un casque. Et ça c'est super intéressant puisqu'on est dans la sécurité, on est dans le déplacement. Et puis allez voir les marges. Les marges que dégage cette valeur, c'est un truc phénoménal. Il faut savoir quand même pour fabriquer un casque, c'est juste du polystyrène compressé. Je ne vous dis pas les marques qui se font. C'est hallucinant. Donc, les connaisseurs, ils connaissent les marques Giro, Bell, etc. C'est les marques les plus connues sur le marché. Et c'est une valeur super. Et on joue toutes ces thématiques-là, le vélo, le déplacement. Moi, je trouve ça, c'est une valeur hors de commun. Elle est super chère, selon certains. Moi, je dis que la peau finit. D'accord. On en reparlera. Et on va finir par une toute petite valeur que j'ai découverte, qui fait du marketing digital, qui s'appelle Specta, et qui annonce un chiffre d'affaires x2 par rapport à 2022. Et alors pourquoi ? Parce que marketing digital, généralement, on n'est pas fan et tout ça. Oui, il y a d'autres valeurs, notamment en Allemagne, je pense à Click Digital. Mais Specta, aujourd'hui, a une valorisation mais vraiment faible, alors que ça fait 6-7 ans que son chiffre d'affaires progresse sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça veut dire que c'est un modèle économique qui marche bien. Donc, j'ai eu un petit faible pour cette valeur-là qui est totalement inconnue. Et voilà, ça fait qu'aujourd'hui, vous avez, ça va surprendre certains,
On va passer de 25 pépites sur mon indice à 35 D'accord. avec des nouveaux pays. Et puis voilà, donc j'en ai terminé avec toutes ces valeurs. J'ai dû être chiant à mourir, mais Non, c'est il y très, avait des choses très, intéressantes. c'est toujours très intéressant, hein. Ouais, donc ben merci pour nous avoir fait partager un peu toutes ces découvertes et pour l'année Oui. 2021 et puis tout un peu ton résumé de l'année 2020. Donc tu as 35 valeurs alors à suivre cette année. Voilà, donc avec 6 pays et je dirais avec vraiment un biais toujours vers l'Allemagne et une découverte de la Suède qui est quand même assez intéressante. Après, il y a les notions de PEA, etc., qu'il faut faire attention. Et puis aussi aux brokers, hein. Les gens ont des brokers parfois, ils font pas attention aux coûts qu'ils ont, mais il y a des brokers qui savent très bien leur faire des propositions. Il faut faire attention à tout ça. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte pour bien trader sur des marchés un peu plus éloignés. Mais voilà, fondamentalement, ce que je dis souvent, c'est quand tu as 35 valeurs qui annoncent des fois 3, fois 4, fois 5, voilà, il est quand même difficile de se dire que tout va baisser, quoi. Laquelle ira dans le bon sens, c'est peut-être pas gagné. Mais tu as rapidement quand même l'idée que certaines vont faire peut-être plus 10, plus 15 et d'autres moins 10, moins 15. Mais il y en a bien deux ou trois qui vont nous sortir un plus 200. Et c'est ça qui fera une performance dans l'année pour un indice, pour un portefeuille. Voilà. Et il y en a encore plein d'autres des valeurs. Hein. J'en citais en France, mais il y en a encore plein d'autres en Allemagne que j'ai pas mis. Mais enfin, je pense à Zonaga Group, je pense à Northern Data, je pense à plein de choses comme ça qui ont des chiffres stratosphériques. Mais voilà, on fait des choix et puis ça me valide moi ma façon de travailler, ma façon de chercher et puis ça rassure aussi mes élèves sur la méthode que je leur apprends, quoi. Voilà, donc j'espère que ça continuera longtemps comme ça. Ok, parfait. Bon ben, merci pour tout, Ricardo, Richard, et puis on se voit rapidement alors. Je te remercie et je te souhaite bon courage pour l'année 2021, plein de bonnes émissions, plein de beaux projets. Ouais. Et puis je te remercie pour tout ce que tu as fait, parce que c'est vrai que moi, c'est la nuit et le jour entre l'émission de l'autre fois et maintenant, en termes de visibilité, c'est la nuit et le Ah jour. Hein. ben, c'est pas moi, hein, c'est toi, c'est toi qui as tout Ouais, fait, non, hein. mais... Moi, je suis juste le messager, hein. Oui, peut-être, mais enfin bon, tu as quand même des gens qui te regardent, hein. Ok. Je te rassure. D'accord. Ok. Et ils me parlent. Ah, d'accord. Mais Tant merci pour tout mieux. alors. Ouais, heureusement. Bon Merci. courage. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Ciao.